je voulais revenir avec toi parce que... Interview assez exceptionnelle de Nasser Al-Khelaifi qui donne très très peu d'interviews et là, personne n'a compris. Quoi. Parce que d'habitude, Nasser Al-Khelaifi, qui me demeure très sympathique, mais c'est de la vraie langue de bois, c'est un robinet d'eau tiède d'habitude. Et puis là, il a lâché au mois de juin. Alors là, on est vraiment avant les affaires de transfert de Neymar, parce qu'on est début juin, il y a des bruits qui courent, mais on n'est pas encore, il n'y a pas eu de rendez-vous, etc. Et puis là, il dit clairement que celui qui n'est pas au PSG, bah, il peut partir, on ouvre la porte. Oui, bah, ce qu'il dit, ça a surpris tout le monde, en fait. Oui, il ouvre la porte à un départ. Ça fait partie des ingrédients qui ont fait que ça s'est passé. Ce qui veut dire, c'est une stratégie différente. D'habitude, on sait que les Qataris, ils retiennent leurs joueurs, ils leur demandent pas leur avis. Et puis, arrivée de Leonardo, et une semaine après, interview de Nasser qui nous... Ben, on l'a jamais entendu. Est-ce que toi, tu as été surpris de son discours et le fait qu'il soit aussi cash, aussi direct? Non, pas tant que ça. Par rapport à ce qu'il avait fait par le passé, oui, évidemment, ça a été beaucoup plus cash, oui, comme tu le dis. Est-ce que ça a été une demande du Paris Saint-Germain Alors ça, tu m'en... T'as pas les dessous de... Ça, c'est trop haut pour moi. Faut demander à Monsieur Ferré, alors, au boss. Faut voir avec le boss, ça. Mais... Non, mais ça, moi, je te cache pas que moi, je l'ai pris un peu comme ça. Tu vois. Genre, il me faut un support, j'ai besoin de communiquer, et peut-être qu'un simple communiqué de presse n'était pas suffisant. Il me fallait. Alors, je crois qu'il a fait l'interview en anglais, on est bien d'accord ? Il me semble que c'était ça. Alors, je sais pas. Ah oui, tu me diras. Je sais pas. Mais je pense. Ouais. C'est quelqu'un qui est beaucoup plus à l'aise en anglais. De toute façon, il a toujours été beaucoup plus intéressant en anglais. Et puis, il est souvent à Londres. Hein. Il est très, très souvent à Londres. Ah, ça s'est fait à Londres, l'interview s'est fait à Londres, dans ses bureaux. Voilà, mais intéressant, bah déjà pour François, c'est cool de l'avoir. Quoi, parce ah bah ça, ouais. Il n'y a pas. Ah bah là, vous avez eu le scoop de l'été, là. Là, c'est sûr qu'il y a, beaucoup de médias qui vous ont envié ça, quoi. Donc c'est cool. Après, c'est une situation particulière parce que ça fait quand même un moment qu'il n'est plus là. Ouais. Qu'il n'est plus là au quotidien, au moins au club. Et on rappelle qu'on sortait de 2 ans avec Antero Henrique où il n'y avait aucune communication, que ce soit le directeur sportif et le président Nasser, où il s'exprimait uniquement après des débâcles en Ligue des Champions ou quand il y avait des histoires en tentant d'éteindre les incendies. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui était plutôt rare dans les médias et qui s'est jamais exprimé de cette façon. Donc c'était très... En tout cas, pour nous supporters, on a été agréablement surpris, parce que je rappelle que même si on est un média, on est plutôt un média partisan et très proche du... on est des supporters, donc proches de notre club de cœur. Mais c'est vrai que nous-mêmes, on a été très très surpris par sa franchise. Et... Ben c'est surprenant parce que Paris a toujours tendance à protéger ses stars. Et, oui. Et là, en disant ça, même s'il nomme, Neymar sans vraiment toujours le nommer. Je crois qu'il le nomme une fois. Oui, oui, il y a un côté. Tout le monde sait que... on n'a pas obligé Neymar à signer ici. Exactement. Il y a un côté où il prend la. Où il prend le pouvoir, entre guillemets, mais si, voilà, comme on disait, il n'est pas là au quotidien aujourd'hui. Je suis pas sûr que voilà, il est plus dans une manœuvre d'être plus en retrait que de revenir à la charge. Donc ouais, c'était une manière d'être plus autoritaire. Alors pourquoi Nasser? C'est une question, parce que Leonardo a fait aussi un entretien le 8 juillet. Dans le Parisien. Donc il y a un communiqué du club qui dit Neymar n'est pas à l'entraînement, machin. Il y a Leonardo qui parle au Parisien, donc qui dit s'il y a une offre qui convient tout le monde, exactement, on va. Il l'avait fait aussi avant une conférence de presse au Camp des Loges, j'y étais. Donc avant le démarrage de la conf de Thomas Tuchel, pour éviter justement les questions, il nous a pris à part pendant 10 minutes. Ce que n'a jamais fait, c'est vrai, Antero Henrique. Donc ouais, c'est déjà plutôt une bonne chose. Alors là, c'est une autre façon de travailler, en tout cas dans la communication. Alors peut-être que dans les deals et tout, c'est quasiment la même. Chacun bosse avec les agents qu'il connaît. On connaît ça par cœur, mais... Je pense que c'est équivalent, même si Leonardo a sûrement un flair football, enfin, il va être plus terrain, voilà, en tant qu'ancien joueur, c'est un profil très différent de directeur sportif, mais là où les deux, il y a vraiment du changement, c'est au niveau de la communication. Leonardo, il aime bien parler, déjà, et puis... On l'a vu au Canal Football Club, après la victoire face à Lyon, dimanche soir, il a fait un one-man de 8 minutes, quand même, donc... Et puis c'est surtout que, parfois, c'est nécessaire, tout simplement, parce qu'il y a besoin de... Des fois, il faut pas trop, voilà, mais c'est quelqu'un qui sait marcher sur ce fil-là de la communication, en dire sans trop en dire, voilà, il a beaucoup de charisme, grand sourire... En fait, je pense que cette intervention de Léo au CFC, elle avait deux buts. D'une part, rassurer les supporters et mettre une pique aux médias en général.
en Après, je disant sais pas s'il y a vous vraiment. mettez trop de dramaturgie sur Dortmund, c'est qu'un match, c'est dans ce sens-là que je te dis ça. Après, la dramaturgie, bon, voilà, Leonardo, il parle pour le club, donc il a tout à fait raison de Ah oui, il est dans son rôle. D'enlever un peu de poids par rapport au huitième de finale de Ligue des Champions. C'est quand même. Ce n'est qu'un huitième de finale pourtant, t'imagines? Oui, oui. Après, le climat de négativité, c'est pas. C'est un peu. Oui, Moi, oui, je suis peut-être pas objectif parce que c'est notre travail de journaliste, mais on va jamais chercher à forcer. Voilà, quand certains disent oui, pourquoi personne parle de la défaite de Dortmund? Vous allez sur tous les sites de football français qui traitent de l'actu en général, sur tous les sites de. Je prends l'exemple de France Football, samedi, la défaite de Dortmund contre Leverkusen. Il y avait un résumé et une analyse de Dortmund, c'est la journée porte ouverte, il n'y a rien en défense. C'est pas, certains disent personne n'en parle. Ben si, on en parle. En fait, c'est juste que voilà, ça passe peut-être un peu. Non mais je suis d'accord parce que nous-mêmes, on est un média entre guillemets supporter. Et quand on fait des. Parce que depuis allez, 2-3 matchs, donc moi j'ai mis un de mes journalistes dessus pour faire les résumés et pour étudier un peu cette équipe de Dortmund. Et on fait des analyses de match, on ne donne pas notre avis, on ne dit pas un tel il est bon, un tel il est nul. Voilà. Et bien même ça, on se prend des commentaires, sans doute des gens qui n'ont même pas lu l'article. J'ai juste en référence avec le titre qui vont nous dire « Ah, vous aussi, vous êtes comme Téléfoot, vous êtes comme l'équipe, vous êtes vous mettez là... » Mais non, c'est l'adversaire du PSG, tu encore, vois pas, c'est normal. Et encore, c'est un exercice... Mais je pense qu'il y a des supporters. C'est sur Haaland, je crois, que des supporters, certains disaient qu'on en fait trop parce qu'à chaque fois qu'il met un doublé ou un triplé, oui, il mais était après, en c'est top 12 par exemple. Ah, bien sûr, ah, mais évidemment, et puis t'es obligé d'en parler. Voilà, c'est quand même Haaland, il signe à Dortmund 19 ans, il met des buts à chaque match. C'est un peu comme Mbappé à l'époque qui intègre l'équipe première à 17 ans, toute la presse européenne ne parlait que de lui. C'est ça aussi, ouais. C'est ça le. Voilà, mais après, sans faire de comparaison. Machin, c'est Marca, il parle de Manchester City. Ouais. La presse allemande parle de Tottenham qui va affronter Leipzig. Enfin, c'est tous les. Forcément, quand quelque chose arrive, on va en parler. C'est pas pour autant qu'il y a un climat de négativité. Je rappelle que après, le problème du PSG, c'est que à chaque confrontation, chaque confrontation rappelle les vieux démons. Voilà. Et ça, c'est malheureusement. Et je pense que tant qu'ils n'auront pas franchi ce cap des huitièmes, ça sera toujours comme ça. C'est-à-dire que si c'est cette saison, pareil, ils échouent encore aux portes des quarts, et ben l'année prochaine, ça, on repartira encore sur ça, sur des traumatismes ou arriver à l'approche des huitièmes, pareil. Et puis, je pense que certains n'ont pas envie de toujours aborder le passé. C'est pas quelque chose de négatif ou quoi. Mais aujourd'hui, c'est impossible de voir ce huitième de finale de Dortmund sans penser au dernier, sans regarder à travers le prisme des éliminations qui sont passées. Voilà. Et c'est pas que nous. Quand Derreira dit ça peut faire 4-0 comme ça peut faire 4-4 ce match. Voilà. Ben, Derreira, il instaure pas un climat de négativité autour du Paris Saint-Germain. Enfin, oui, parce que lui, il est de l'autre côté. mais je comprends ce que tu veux dire. C'est normal d'en parler. Je pense que les joueurs entre eux en parlent. Voilà. Si Kimpembe il a allumé la télé, il a mis beIN Sport 2, il est tombé sur Dortmund Leverkusen, il a regardé le match, il s'est dit à lui, il est bon. Et puis de toute façon, c'est des matchs qu'ils vont revoir à l'entraînement avec la vidéo, parce que c'est des matchs sur lesquels ils vont travailler. C'est quelque chose qui est global. Et qu'est-ce que tu penses, toi, de cette défiance des supporters, et je ne parle pas que du PSG, mais évidemment, envers les médias parce que Leonardo, c'est un peu, je le répète, son discours au club, c'est aussi un pic envoyé aux médias. Par exemple, notamment au diffuseur qui a sorti le Mission Dortmund. Est-ce que tu comprends, toi, les supporters, ou est-ce que tu te dis, on arrive dans une ère où on ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien critiquer sans se faire insulter par les supporters, après, et notamment sur les réseaux sociaux? Après, ça n'appartient pas qu'au foot et aux supporters, c'est quelque chose qui est global dans la société d'aujourd'hui. Le journaliste est très mal vu, le journaliste politique, le journaliste société, on l'a vu pour les gilets jaunes, c'est journaliste d'investigation. C'est pas quelque chose qui est uniquement sur le sport ou le football. Après, le football, il y a quelque chose qui fait que ça dépasse un cadre supplémentaire. C'est parce qu'il y a ce côté passionnel. Et que le supporter va toujours se placer en défense de son club. Forcément, il va jamais se placer en défense du média. Wow. Voilà, après, le média, il relate juste ce qui se passe. Que ce soit des fois, forcément, il y a des erreurs. Parce qu'on ne le voit pas qu'avec le PSG, si je te passe, on le voit avec les Marseillais, par exemple, avec mais c'est les supporters lyonnais. Non, mais c'est comme.
c'est comme tout, voilà. L'équipe aujourd'hui, je pense que chaque supporter en France pense que l'équipe est anti Oui, son club. ouais, c'est ça. Les supporters de Paris pensent que l'équipe et France Foot, on est anti PSG. Les supporters de Marseille, qu'on est anti Marseille. Enfin voilà, nous on a pris des sauts d'insultes avec Messi, Ballon d'Or. Messi se fait voler chaque année. Voilà. Là on devient un 6e Ballon d'Or, mais on reste anti-Barcelone. En fait, il n'y a jamais de milieu. En plus, t'as beau expliquer le fonctionnement des votes du Ballon d'Or, Oui. parce que pareil pour Mané, il y a eu cette petite polémique autour de Mané, et en fait, on s'est rendu compte que les journalistes africains, ils n'avaient même pas voté pour un joueur issu du continent africain. Donc ça, c'est là pour le coup, vraiment pour le coup, c'est pas la faute des médias, et parfois aussi. Donc Pascal a voté pour Mané. Oui, c'est ça qui est surprenant. Et Pascal, qui est français, c'est-à-dire que peut-être que Mané a pris des votes, et la majorité des votes qu'a pris Mané, c'est peut-être des journalistes européens qui l'ont suivi avec Liverpool, etc. En Afrique, on n'a pas voté pour lui, par En exemple. tout cas, oui, vis-à-vis des médias, il y a ce truc. Après, je pense, je pense aussi que c'est pas que la faute des gens, c'est aussi la faute des médias. Il faut C'est ce que j'allais dire, arriver à réintéresser aussi c'est qu'il y a sur le pas, parfois, il contenu. n'y a pas que de la paranoïa. Parfois, et Non, non, je ne veux pas citer de médias, mais parfois, c'est vrai Après, il que. faut séparer le média en tant que journal, magazine, reportage télé, grand reportage info, au talk show. Évidemment. Et là, on va parler par exemple des RMC Non, avec mais l'After ou ou même de déjà. l'équipe avec l'équipe du soir. Oui, Et non, c'est mais peut-être c'est. pas forcément les mêmes. Non, mais c'est très bien, ils font des trucs très très bien. Mais un chroniqueur, enfin un consultant n'est pas un journaliste, par Oui, exemple. bien sûr. Ouais. C'est pas le même métier, ils font. C'est pour ça que je prenais le cas de l'After, parce que l'After, ils ont des consultants anciens joueurs de foot, l'équipe 21 pareil, et Si un ils ont des consultant, journalistes dans les deux côtés. on va dire un truc sur Paris, qu'on soit d'accord ou pas, les gens vont dire le média pour qui ils travaillent est anti-Paris, ou anti ce que tu Oui, veux. bien sûr. Ouais. Mais le consultant, il est juste. Il est consultant, il est là pour donner son avis. Il n'est pas là, l'équipe, ou RMC, ou ce que tu veux. Lui dit pas, il faut que tu dis ça. Lui, c'est son avis. Et ça fait pas lui non plus un anti-PSG. Pareil, anti ce que tu veux. Voilà. Après, il y a une défiance, oui, c'est vrai. Il n'y a pas toujours l'envie d'aller au bout des choses. Comme tu dis, les gens cliquent pas forcément dans Ouais. l'article. Parfois, c'est juste sur la base du titre et ils n'ont pas lu l'article. Et enfin, Oui, ou moi. même de ce que tu veux. Enfin, on voit l'interview de Unai Emery qui est sortie aujourd'hui. Ah bon, on va en parler justement. C'est bien que tu fasses. C'était justement le dernier thème que je voulais aborder. Et on va le faire assez rapidement parce que c'est sorti aujourd'hui et on va pas dévoiler l'intérieur. Mais je voulais revenir un peu sur les déclarations d'Emery et notamment sur le capitaine Thiago Silva. Qu'est-ce que tu as pensé de. Je sais pas, bon, je pense que tu as lu au moins ce passage-là. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette interview? Parce que, pareil, on va revenir un peu sur les supporters. Les premiers retours que moi j'ai vus ce matin et un peu hier soir, parce que ça a été publié aussi hier soir, des supporters qui en veulent beaucoup à Emery parce qu'il dit certaines choses, notamment sur le capitaine et sur le fonctionnement du club. Emery est assez élogieux avec le Paris Saint-Germain. Il parle du Qatar, des moyens qui ont été mis en place, de Nasser. Il dit même que c'est peut-être la bonne année selon lui. Voilà, il dit ses vérités. Après, c'est dur de reprocher à Emery de penser ce qu'il pense de Thiago Silva. C'est pas ce que je pense moi. C'est que mon avis, on s'en fiche un peu. Mais c'est ce que pensent beaucoup de supporters. Oui, Voilà. c'est vrai, C'est c'est ce que vrai. pensent Tu beaucoup de supporters. C'est pas. as deux écoles. Voilà. Effectivement, tu as Silva, intouchable, Dieu vivant, meilleur défenseur du C'est monde. toujours clivant, de toute Et façon. puis après, tu as certains qui vont pousser l'analyse un peu plus sur le terrain, le positionnement, etc. Cette manière de toujours reculer ou de jouer très bas sur le terrain, alors que tu es une équipe, tu as les moyens de jouer un peu plus haut. Tu peux. Et c'est vrai que là-dessus, en tout cas, sur le match, ça lui a pas donné tort à Emery, j'ai l'impression. Sur lequel de match? Le match, c'est à l'aller qu'il le laisse sur le. C'est au match aller qu'il le laisse sur le Contre banc. Madrid, Ouais, c'est ça. bah, Il rejoue au retour, il me semble, c'est ça? oui, on joue au retour. Kimpembe joue à Parce l'aller. qu'en fait, Emery, ce qu'il a voulu faire, c'est tenter un truc. Ni plus ni moins. Oui, après il l'explique par lui, il l'explique par le fait des caractéristiques de Kimpembe. C'est ça. Je sais Après, pas c'est Kimpembe, peut-être qu'à cette époque, Kimpembe avait été un peu plus de mental que Silva aussi. C'était peut-être une question Ouais, mais c'est de pas qu'une enfin. question de mental, de quoi que ce soit. Je pense que c'est la conjoncture du match qui fait que l'un ou l'autre va prendre le dessus ou pas. Oui, après, c'est impossible de dire que Thiago Silva a
toujours été exceptionnel au Paris Saint-Germain. Et ce qu'on lui reproche, c'est d'ailleurs, c'est même pas le. Et à contrario, on peut pas tout lui mettre sur le dos non plus. Oui, voilà. D'ailleurs, ce qu'on lui reproche, c'est pas son niveau de jeu. Parce que des matchs réussis, on peut en citer plein. Le 3-0 contre le Bayern au Parc, c'est. Non, c'est plutôt l'attitude du capitaine. Ou... Je pense que c'est ça qu'on lui reproche. Quoi, ouais. C'est son leadership, c'est le côté. Voilà, en fait, après, il y a des stands. En fait, il y a des joueurs qui sont au top. Et on a envie que nos joueurs, quand on est supporters, soient les références. On a envie que Neymar, il soit comme Cristiano, bien qu'il sûr, fasse 2000 abdos par jour. Ouais. On a envie que Thiago Silva, il soit comme Sergio Ramos, au niveau leadership. Voilà, après, les joueurs, ils sont ce qu'ils sont. Hein. C'est pas, bien sûr, c'est bien pas sûr. Une science exacte. Mais c'est dur de reprocher, pour en revenir à Emery, pour moi, c'est dur de reprocher à Emery ce qu'il dit sur Silva, parce que déjà, c'est son opinion. Voilà, bah, il dit ce qu'il veut. Hein. Et puis les supporters, beaucoup pensent comme lui, donc je vois pas en quoi c'est problématique. Et si les supporters pensent que Emery défonce le PSG, je les invite à lire l'interview. Parce le, problème, que c'est... Le problème c'est que tu sais comment ça fonctionne, les réseaux sociaux, on sort des extraits pardon, et on se base uniquement là-dessus en disant « Ah bah Emery crache dans la soupe, il est très ingrat envers son ex-employeur, etc. » Donc on connaît la règle, mais effectivement, moi j'ai lu quand même pas mal de passages, il n'est pas du tout négatif avec le PSG, oui. Bien au contraire, comme tu me le disais, même envers Nasser, il parle du club dans sa globalité, même voilà. Il dit des trucs bien sur des joueurs, bien sûr, quand il parle de Neymar, il dit qu'il est très facile à coacher, qu'il n'a pas eu de problème avec lui. Tu vois d'ailleurs, tout le monde pensait que Neymar et Emery étaient en guerre, faut savoir que quand il quitte le PSG, le seul maillot qu'il a en souvenir du joueur, c'est celui de Neymar, et c'est Neymar qui lui offre... dans les derniers jours, quand il sait qu'il part, quoi, tu vois. Donc, il n'y avait pas forcément de problème entre Emery et Neymar. Alors, je dis pas que c'était l'amour fou et que, mais pareil, la presse, que ce soit à l'étranger et en France et notamment en Espagne, beaucoup exagéré sur la nature des relations entre Emery et certains joueurs. Et en fait, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup exagéré. À la fin, il a eu un petit problème avec Mota parce que voilà. Et Meunier, il me semble aussi, mais c'était pas bien méchant. Pour le reste, moi, quand j'avais discuté avec Unai, il m'avait dit non. Moi, les joueurs, il m'avait montré un texto de Kimpembe le matin même, je n'en ai pas, un texto d'un kilomètre où il le remerciait, il s'entendait bien aussi avec Adrien Rabiot, etc., etc. Donc, après, ça, c'est les fantasmes de. Oui, bien sûr. De ce qu'on peut entrevoir du club, parce qu'on voit rien d'un club de foot. Hein. On voit rien de ce qui s'y passe, on va pas se mentir. Qu'on soit journaliste, supporter, c'est pas c'est le compliqué d'avoir les dessous. Le nocomène du PSG le vendredi sur YouTube, c'est bien, mais ça résume pas ce qui se passe au club. Dernière question, Antoine. Est-ce qu'en exclusivité, tu pourras me dire quelle est la prochaine interview d'un joueur ou dirigeant du Paris Saint-Germain? Ah non, j'ai pas l'impression qu'en fait, il s'adresse qu'à moi et nous, il s'adresse pas chez nous. En tout cas, on m'en donne pas. Donc pour l'instant, il n'y a rien de prévu pour l'instant. On n'a pas l'exclusivité sur le Paris Saint-Germain, loin de là. Et heureusement d'ailleurs, hein, on cherche pas à être exclusif au Paris Saint-Germain. Même si à chaque fois on est très content d'avoir quelqu'un du club. Bah, c'est pas... En tout cas, après, sûr qu'elle sera lue, elle sera bien relayée. Parce que en même temps, c'est rare aussi que le PSG accorde des interviews aux médias français en général. Donc, Après, ce que je peux te dire, c'est qu'on on est toujours en train de discuter, mais il y a pas un truc dans les tuyaux quand même. Hein. Il y a rien de concret pour l'instant. On va laisser affronter Dortmund et puis après on verra. En gagnant, j'espère. Eh bien, écoute, ça marche. Je rappelle, alors je remonte à la caméra que Antoine Bourlon, notre invité, était notamment l'un des deux journalistes qui a interviewé Neymar en décembre de l'année dernière. Merci beaucoup, Antoine. Merci encore. Plaisir. Merci. Et puis, je te dis bonne chance. Bon courage pour la suite. Bonne chance. Et à très bientôt. Yes. Merci, Antoine. Ciao.